Madame la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. On est revenu de la Turquie, ça fait plaisir à la France. De retour en France, vous inquiétez pas, on a fait d'autres vidéos en Turquie, mais on vous les sortira un peu plus tard. Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. On va aller dans un fast-food. Explique-leur, c'est quoi le concept? C'est l'employé qui va décider ce qu'on mange. Soit c'est le ramadan, soit c'est le Eid. J'espère à l'employé, elle va nous mettre bien. C'est les abonnés de Snap qui ont décidé ce challenge, donc venez nous suivre sur Snap. J'ai vraiment peur. Si elle nous met qu'un burger à deux, je vais péter un câble. Bon, bref, on va chercher la commande. On lui dit qu'on est deux. On lui dit qu'on est deux personnes, mettez ce que vous voulez. A tout de suite. Par contre, j'ai pas pensé, c'est grave stressant. Imagine, MJ, mais arrêtez avec vos conneries, dites-moi une commande. Faut pas que je stresse. Bonjour, voulez-vous m'épouser? Madame, commandez pour moi. Madame Richie, tu fais commande pour moi. Oh là là, c'est stressant, j'espère qu'elle va pas me remballer. Hein. Je vais dire bonjour madame. Je suis en train de tourner une vidéo. Je suis en train de tourner une vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez commander pour moi? Ouais, non, je dis est-ce que vous pouvez me faire une commande pour deux personnes? Okay. Tu dis votre truc préféré, c'est tout. Oh, en plus, j'ai choisi ça, la famille, je vous dis. C'est halal. Regardez ce qu'il y a ici. Attends, je le touche comme ça. Si je le touche, elle va me le donner. Voilà, normalement, il est dans la commande. On se retrouve juste après la voiture là. J'espère qu'elle va pas me traiter. Hein. Pourquoi tu paniques? J'ai peur qu'elle me dise arrêtez avec vos conneries là. Bonjour. J'ai une demande particulière. En fait, je suis en train de faire une vidéo. On est deux personnes à manger. Est-ce que vous pouvez mettre la commande de votre choix pour deux personnes? J'ai pas compris. En fait, on est deux à manger, on sait pas quoi prendre. Est-ce que vous pouvez me mettre deux menus ou deux desserts ou comme vous voulez pour deux personnes? Moi, je dois pas savoir, c'est une surprise en fait. Moi, je dois mettre le menu? Voilà, pour deux personnes, voilà, vous choisissez s'il vous plaît. Ah ouais, non, c'est compliqué là. Vous mettez ce que vous aimez, vous mettez juste ce que vous aimez et chez moi, ce sera la surprise. Juste pas de porc, c'est tout. Bon, il n'y a pas de porc ici, hein, c'est halal. Ok, au top. Vous mettez vraiment ce que vous voulez pour deux personnes. En menu normal? Comme vous voulez, moi je sais pas si vous vous faites. Bah après c'est vous qui payez, non? Ouais, c'est moi qui paye, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Faites la commande pour deux personnes s'il vous plaît, et moi comme ça à la maison ça me fait une surprise pour ma vidéo, ça va être marrant. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Les frères, je viens de payer, je vous donne un petit indice. Elle m'a dit 30 euros pour deux personnes. Tu penses c'est quoi? Je sais pas du tout. Elle a dit elle a mis des menus et tout. J'espère juste que ça va être bon. On se retrouve à la maison, là je vais récupérer la commande. Imagine t'as mis que des boissons. On vient d'arriver, elle nous a donné 3 sacs, mais c'est pas ce que vous croyez. Moi, je me suis dit, il y a grave des trucs. En vrai, je sais pas. On va commencer par le gros, parce qu'il faut toujours commencer par les meilleurs cadeaux au début. Alors, on commence avec une première boisson. Tu veux celle-là ou je la prends, Myriam? Je veux celle-là. Ok, Myriam, pour elle. Je goûte. Attends, moi, je prends cette boisson. Et on a encore un truc. Oh, masterclass. Elle a mis une glace, par contre, il n'y en a qu'une. Elle est pour moi. Attends. Voilà ce qu'il y avait dans... Il y a deux cuillères, mais il n'y a qu'une glace. Bah, c'est pour manger à deux. Je comprends pas, c'est pour qu'on mange à deux. Pierre, feuille, ciseaux. Attends, d'abord, on va goûter les boissons. Qu'est-ce qu'elle nous a mis comme boisson? Je commence, et Myriam, bismillah. Un bon coca frais chacal. Ok, à moi. Ça, c'est incroyable. 10 sur 10. Un bon coca frais chacal. Elle a mis deux coca frais chacal. Ensuite, elle a mis une glace. Que je vais manger, bien évidemment. Elle a mis... Comment ça s'appelle ça au quick? Tu vois. Un McFlurry Oreo. McFlurry Oreo, en vrai, on va goûter chacun notre tour. Pour l'instant, la dame, on lui met un 8 sur 10. Parce qu'en plus, elle a été grave gentille. Elle aurait pu dire non, j'ai pas le temps pour vos conneries. Vas-y, on va goûter un petit peu la glace avant qu'elle devienne de la crème liquide, comme il fait grave chaud. Oh la masterclass. Elle nous a mis la meilleure glace pour moi, la glace Oreo. Elle a mis du Napa chocolat. C'est validé pour l'instant à 100%. Mmh. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac? What? Ok, il n'y a qu'un seul truc. Wesh. C'est quoi? Vous avez que des desserts. Hein. Attends, c'est quoi? Pâtisserie, il y a marqué. Oh, t'as payé 30 euros pour ça? J'ai payé 30... Ah, wesh. Oh, c'est quoi ça? Emma, à tout moment, elle t'a oublié des trucs. Hein. Elle m'a mis un fondant au chocolat. Attends, mais elle m'a reconnu sur YouTube, elle sait que je mange que du sucre, moi. Ah, j'ai compris. Ça se trouve, elle m'a reconnu. Non, non, en gros, elle a mis une glace pour une personne et un fondant au chocolat pour une autre personne. Okay, ça, c'est les desserts, on va goûter ce fondant. Vas-y. Bismillah. Mais t'as pris ma cuillère, là. Du sucre, du chocolat, c'est tout ce qu'on aime. Après la Turquie, en Turquie, j'ai pas trop mangé de la merde. Un bon goût de chocolat, un bon goût de Nutella. Tu vois pas d'inconvénient si je le finis? Eh, par contre, 30 euros, c'est un truc de ouf, les prix ils ont grave augmenté. Hein. Mais dis pas qu'après dedans, il y a encore un truc sucré, sinon c'est pas un menu là. Terminé. Ok, là on a eu le sucre. C'est lourd, hein. Je vous dis la vérité, c'est lourd. Ah,
Ah non, non. Moi je dis, il y a un chicken barbecue dedans. Moi je sais pas, en plus ça m'a dit, il n'y a pas non, de. Non, comment il s'appelle? Le Mega Giant. Moi je dis un Mega Giant. Une frite. Ok. Deux frites. Est-ce que vous allez bien manger ou pas? Un sandwich. Il est pour qui celui-là, Myriam? Il est pour qui? Pour moi. Pour Myriam. Oh, elle a eu le Giant Max. Le meilleur sandwich de chez Quick. La chance, elle a eu un Giant Max. Incroyable. Et là, on a quoi? Vas-y, t'as mis un tout petit truc. Ah, j'espère que c'est pas le même. Non, c'est pas le même, les règles. Il y a quoi encore? Ouais. Attendez, mais... Oh, mais on est d'accord qu'une personne, normalement, c'est un sandwich, une frite et un autre sandwich. Oh là là, c'est quoi ça? Un kebab? Elle m'a mis quoi? Oh, le pain, il est noir! Le pain, il est noir! Le pain, il est noir! Pourquoi? Peut-être, je sais pas, hein, peut-être c'est le truc d'Ibra TV. Il est cramé? Ça se trouve, c'est le truc d'Ibra TV, les gars. Pourquoi le pain, il est noir? Pourquoi le mien, il est comme ça? Tout écrasé. What? Vas-y, goûtez pour voir. Moi, je pense que c'est le truc d'Ibra TV. Ils ont mis le d'Ibra Black and White Burger. Smack. Hey, il est bon, hein? Incroyable. Hey, je suis en train de manger un hamburger noir. La couleur noire, bien sûr, il est super bon. Myriam, tu mets combien sur 10? 10. Attends, viens, on montre qu'on a évolué. Tu fais un croc dans le mien, je fais un croc dans le tien. Moi, je lui mets 9,5. Il est super bon. Non, arrête. J'ai rien fait. Vas-y, j'ai te, fait laisse, quoi te laisse faire. Une guêpe. C'est pas grave, elle est. C'est pas il grave. Est habillé en jaune, c'est pour ça. Myriam, elle a fermé les yeux comme ça. Mais c'est rien, c'est une guêpe. Omar, il en a chassé une. Comment? Tiens. Elle veut taper dans vos frites. Je regarde si tu fais un gros croc et moi je fais un croc pareil. Ok, t'as fait un petit croc, c'est carré. Prends bien dans la sauce, bismillah. Quoi, non? C'est trop. Non, mais déjà, rends-le moi. Un croc, bismillah. Waouh. Non, un seul. Je t'avais dit, Myriam, cher, hein, je t'avais dit. Hein. Comme la dernière fois, tu m'as arnaqué. T'as de la sauce là, mec. T'as de la sauce, mec. Où? Là. En vrai, la dame. Goûtez les frites un peu aussi, non? Ouais, c'est vrai. On va goûter. Elle aurait pu mettre des frites cheddar ou des frites. Ouais, c'est super bon les frites de chez Quick. D'ailleurs, je trouve que ce fast-food, il est trop sous-coté. C'est un des seuls qui est halal. Réveillez-vous, c'est halal. Vous allez au McDo, vous mangez des filets no fish. Et à combien de likes? À combien de likes j'ai investi dans un McDo halal? Quoi? Tu crois que t'as assez d'argent? Non, mais on fait une cagnotte. Eh les gars, vous êtes sûr, on fait une cagnotte? On récolte je sais pas combien de millions d'euros et on crée un McDo halal tous ensemble, on l'appelle le Familia McDo halal. Vas-y. Mais tu crois que t'as assez d'argent? Tu sais c'est combien? Non, on fait une récolte. Le Familia McDo et après et tu marques au-dessus halal. Les abonnés, vous mettez tous 1 euro, on a 1 million d'abonnés, on aura 1 million d'euros. Et après on fait un McDo au quinoa. Et voilà, et on fait le plat principal, c'est du quinoa. On va rajouter des frites, les reines. En vrai, je suis satisfait de la commande parce que c'est pas trop ni pas assez. Parce que là, regardez, je suis à mon prime. Physiquement, je suis à mon prime, regardez. D'ailleurs, la vidéo elle sort demain. Comment j'ai fait pour obtenir ce physique, comme ça vous aussi vous allez l'atteindre. Et là, je vais pas grossir. Là, c'est mon cheat meal. Attends, qu'est-ce qui se passe derrière Myriam? Ouais, mais des frites comme moi. Bismillah. Oh là. Allez, de suite chez Quick et prenez le burger noir. What? Il y a un truc derrière qui est tombé tout seul. Wesh. Subhanallah, ilaha illallah. Peut-être qu'ils en veulent aussi. Hein. Oh, vous en voulez vous? Bismillah. Les hamburgers. J'ai dit bismillah. Bismillah. Il y a la famille, l'hamburger noir, allez le prendre. Je sais pas si c'est un nouveau ou pas. D'ailleurs, moi, je vais retaper la glace avec les frites, parce qu'il y en a plein, ils disent que c'est grave bon. Tu vois, c'est devenu de la crème fraîche, comme Omar. Bismillah. C'est dégueulasse. Ah, comment on peut faire ça? Par contre, je vous le dis cash, hein, on va pas faire 24 heures comme ça. Hein. Un repas dans la journée, un cheat meal, ça suffit. J'ai pas envie de perdre mes abdos, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un repas, ça suffit, les reilles. On fait des petits cheats de temps en temps. Mais non, bah non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Là, maintenant, c'est à mon tour. Je dois vous faire un repas que je décide. Dans une prochaine vidéo. Ah, bien. Tu décides ce qu'on mange ou Myriam, elle décide ce qu'on mange. Parce oui que c'est bon, ça fait 3 mois, je galère à avoir des abdos. Je décide, pas... je décide ce qu'on mange. Je vais dire que Younes, il mange 3 fast food par journée. Après, vous allez dire, je suis un gros porc. Younes, il a grossi. Hein. Elle a dit, hein, Younes, machallah, dites-le. Hein. Quand Younes, il a... c'est vrai, hein. Quand Younes il a grossi, quand on maigrit, on est bien, vous dites jamais ils sont bien, mais quand on grossit, il y a ça. Attention, dites machallah, demain à 11h, rendez-vous demain pour la vie de transformation. Parce que quand on grossit, vous nous le dites tout le temps, t'as grossi. Ouais, il y a des commentaires de TikTok, ils ont dit, ah Yassine, il a grossi. Hein. Ouais, c'est pas vrai. Non, en ce moment, c'est toi, c'est pas ton prime. Ouais.
On voit mes abdos. Non, mais c'est pas moi qui dis ça, c'est eux. Mais on voit mes abdos, dis la vérité. Dis la vérité. Moi, c'est vrai, on voit ses abdos. Non, je suis à mon prime. En mangeant des pépitos. Du quinoa. Il étire sa peau pour qu'on voit ses abdos. Vraiment. Avec ton chapeau de Francis Danois, là. Arrête de. Bon, la famille, pour notre retour en France, c'était magnifique. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous. Merci beaucoup à Quick. Pour que Younes grossisse, mettez un like. Non. Merci beaucoup à Quick, ils ont joué le jeu. Franchement, masterclass la commande. En vrai, ça va avec la glace. Vraiment, vous avez fait les radins quand même, hein. Cheddar. Elle a 9 ans et elle est pas calée après ça. Hey, tu te rappelles Omar ce qu'il avait dit? Ah ouais, faut qu'on fasse une vidéo avec toi. Quoi? Il a dit en mode, elle finirait pas deux burgers et une frite. Hein? Prochaine vidéo, une des prochaines vidéos, tu vas faire le défi d'Omar. Bon, la famille, on vous laisse là. Ciao, ciao.